Salut à vous tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien car moi ça va nickel. Voilà, du coup aujourd'hui ça va être un unboxing d'un colis que je viens d'acheter sur Amazon. En gros, vous verrez voir dans le titre, c'est un support de téléphone. Voilà, du coup on va passer à l'ouverture directement. Alors déjà le packaging est sympa quoi, voilà. Super. Alors on va sortir le petit couteau. Voilà, on va essayer d'ouvrir ça. Nickel, etc. Voilà. Alors, comment vous dire ça? Ce n'est pas un petit, c'est pas un partenariat. C'est un tout. C'est moi qui l'ai acheté avec mon argent, comme d'habitude, comme sur les deux anciens unboxing que j'ai fait. Voilà. Bon, on va essayer d'ouvrir ça correctement. Voilà. Là, tac. Voilà. Alors après. Bon, on va faire la manière forte. Allez, c'est parti. Voilà. Ça, ça sera tranquille. Voilà. Du coup, ça fait ça. Voilà. Tac, tac. Bon, ça, on a des couilles. Voilà. Alors. Voilà ce que c'est comme marque. Voilà. Stand... ajustable, voilà. Il présente comme ça le boxing. Le packaging est normal quoi, on s'en fiche. Voilà, du coup on va aller voir ça vite fait. Alors, on va ouvrir ça correctement quand même, ça serait un peu con. Alors, voilà, voilà, je sais pas si vous allez trop voir, voilà, comme ça. Alors là, il y a quoi là? Excellent. Ouais, du coup, on a ça dans le moxine, dans la box, avec ça derrière, voilà. Je sais pas si vous allez trop voir. Voilà, voilà. Et après dedans vous avez le support de téléphone, voilà. Alors allez voir comment il est. Voilà. Voilà. En gros c'est sympa quoi, il est nickel. Hein. Ah ben voilà. Je trouvais la solution comment le faire. Voilà. Ah mais de nickel. Ah bah ouais, il tient pas mal, il est quand même costaud. On va essayer avec mon ancien téléphone, mon Wiko Lenny. Voilà. On va voir comment il tient. C'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Nickel. Alors s'il y en a qui me demande pourquoi en fait j'ai pris ce petit support là, c'est qu'en fait par rapport aux emails et autres en fait sur mon téléphone que je filme actuellement, parce que j'ai avec mon téléphone, voilà, on va faire autrement pour l'instant, c'est qu'en fait je voulais le mettre à côté de mon bureau à ma droite ici, et du coup ben en fait comment dire ça, j'en avais ras le cul d'avoir le téléphone par terre, etc. Du coup, j'ai acheté ce petit support. Bien sûr, avec les percées en arrière, comme ça, je mets mon chargeur dedans. Comme ça, je le branche directement au chargeur. Comme ça, il charge en même temps que je le mets, etc. Voilà. Du coup, ben, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, personnellement, le boxing, ça va. J'ai rien à me plaindre. J'ai pas à me plaindre. Je vous mettrai le lien s'il y en a qui veulent en acheter, parce que je vous conseille vraiment, je le conseille. Hein. Il est quand même costaud quoi. Hein. Après, c'est du fer. Hein. C'est du bon fer. Hein. Voilà, après avec des attaches, des anti-rides, des... voilà quoi. Il tient bien quoi. Voilà, en gros, je vais plutôt bouger... mon téléphone
que le support quoi, voilà. Du coup ben voilà quoi, hein, on va ranger ça. Voilà. Du coup on va, je vais mettre le petit support ben, du coup à ma droite. À ma gauche, à ma droite et qui sera à votre gauche dans la vidéo, je pense. Je vais mettre ça sur le montage. Voilà. Donc on va mettre ça, on va le ranger. Voilà. Voilà, voilà. Ça, on va le ranger, voilà. Ça, on va le mettre, bah, pour l'instant, on va mettre sous le lit. Oui, parce que je filme dans ma chambre, vous avez pu voir. Hein. Voilà, pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne YouTube, je filme et je rec, je fais mes montages, je fais tout sur mon PC là actuellement. Je vous avais parlé aussi de mon Klim Chroma clavier que j'ai acheté sur Cdiscount, que vous avez vu dans la vidéo précédemment dans l'unboxing. Personnellement, je le conseille aussi parce que il est sympa quoi, les touches sont bien, etc. quoi. Du coup, voilà, quoi, pour 30€ pour ceux qui n'ont pas vraiment un budget... un budget incroyable pour acheter un putain de j'ai une connerie, un putain de clavier, ben clavier Chroma, voilà, clavier Klim Chroma, 30€ à LED. Après il y a que, malheureusement il y a que ça comme jeu de lumière. En gros vous avez ici la touche actuellement et vous pouvez l'éteindre, voilà, l'éteindre ou le rallumer, il y a que ça. C'est ça qui est un petit peu dommage, mais après c'est aussi un clavier de 30€. Ce n'est pas un clavier non plus à 180€ comme des ROD, etc. quoi, voilà. Du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour plus de vidéos. Abonnez-vous, voilà. N'oubliez pas la petite cloche pour nos nouvelles vidéos qui arriveront sur la chaîne YouTube. Merci aux personnes qui ont vu mes dernières vidéos qui sont... je vous montre les dons des joueurs. Elle a fait quand même 42 vues en 19h. Merci à vous, voilà. Après, il y a 39 vues il y a un jour, la fermeture officielle de Minecraft. Et après, il y a à peu près Yesterday Cloud remix, remix moi-même. Elle a 34 vues et après, bah, la 80 vues concours sur le serveur, voilà. Du coup, désolé pour le concours, hein, malheureusement, elle a été annulée parce que j'ai eu le serveur qui a fermé, voilà. Du coup, voilà. Du coup n'hésitez pas vraiment à me suivre sur les réseaux sociaux, de partager ma chaîne YouTube comme d'habitude, me suivre sur Twitter, sur Snapchat qui sera dans la description comme d'habitude. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, et d'ici là, ben, prenez une fois la FIFA, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les amis, et ciao !